Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour un petit live spécial sur MW2, ça c'est pas le truc spécial. Mais aujourd'hui, en partenariat avec Cybertech et Samsung, on va vous faire gagner un écran gamer. Voilà, donc si vous n'avez pas d'écran, vous êtes au bon endroit. Paramètre. Oui, bonjour. Bonsoir monsieur. Ouais, bah bonsoir, bon ouais, bonsoir, bonjour. moi j'aime bien dire bonsoir, je trouve ça plus, tu vois. Ouais, bah stylé. Il est 7h du mat chez moi, donc bonsoir, ça va être compliqué. Mais oui. Ah oui, il est 7h. Ah mais oui, mais toi t'es au Mexique. Ouais, ouais. Incroyable, incroyable. Ouais, mais bon après, la M4, franchement, en arme pour débuter, elle est parfaite. Ouais, non, j'aime bien. Après, de très très loin, c'est pas évident, je trouve. Non, le recul. De très loin, elle est pas évidente, mais... Bah, moi, à une distance, elle fait vraiment le travail, quoi. Y a pas... En plus, même les armes, des fois, t'as le sentiment que... Pas forcément besoin de mettre gavé d'accessoires, déjà de base elles sont efficaces quoi. Ah ouais, le fusil à pompe qui me donne 0. Hier soir j'ai fait une petite game vraiment, j'ai l'impression qu'à 50 mètres tu peux vraiment faire le one shot. Ah, y'a des pompes qui sont efficaces. Je vais prendre mon dos là. Il arrive sur toi. Ouais, je suis mort. Alors si les kill streak, tu as la possibilité de dépasser en score streak. Moi c'est ce que j'ai fait. Ah ok, t'as fait pas la fait une bonne game. Cette game j'ai du mal là, avec la map là. Il y a plein de gros coins cachés et tout. Ah, ça te permet en fait que tu vois quand tu joues les objectifs ou quoi, finalement tu peux gagner beaucoup plus de points, donc tu débloques les streaks plus rapidement. Et il y a aussi un truc, c'est que le rechargement, tu peux pas l'annuler si ton chargeur est sorti de l'arme. Ah ouais? Ouais. Ah, ça y a pas avant. Non. Ah, la map elle est terrible hein. La map elle est vraiment terrible. Après quand tu connais pas, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Ah, moi c'est pas fun là. J'essaie de trouver un peu les gens. Oh putain. Oh le fusil à pompe qui fait vraiment très mal. J'ai l'impression que c'est un peu une map snipe. Hein. Je vois beaucoup de mecs se cacher dans des... En règle générale, il y a beaucoup de mecs qui se cachent. Beaucoup de maps où il y a toujours une petite fenêtre, une petite hauteur, un petit truc où le mec est... Ah ouais, mais justement, oh non, dommage. Le mec qui m'a tué, justement, il s'est mis comme t'as dit, c'est un peu sur le côté, je pense qu'il fait un défi. Ouais, ouais, où il s'entraîne. Non, non, mais après, ils ont pas forcément besoin de ça pour camper, mais ouais, il y en a beaucoup qui le font, ouais. Et toi, ton main game, c'est quoi? C'est Fortnite, actuellement? Actuellement, le jeu est vraiment très très bien, Fortnite, du coup, j'essaye de un petit peu moins y jouer et tout. Je suis pas continué, mais de base, ouais, moi, je suis sur ça. Et mais comme... ils ont fait en sorte que tu puisses tomber qu'avec des mecs forts et tout, et bah... C'est pas des parties, quoi. Le SBMM ça ruine le fun. Ah bah... Moi je trouve ça cool justement de pouvoir tuer sur n'importe quel mec, tu vois. Tu savais pas. Bah c'est pour ça qu'il y a la ranked au départ quoi. Ouais. T'as la ranked, tu tombes sur des mecs de ton niveau, t'as pas la ranked, tu tombes sur n'importe qui. Moi c'est ça que j'aimais bien sur Fortnite à l'époque, c'est que... T'avais un mec devant toi, ça pouvait être n'importe qui, tu vois, ça pouvait être Ninja comme... Comme sa sœur quoi, tu vois, c'est... Et souvent, justement, les gens ils rigolaient avec ça, ils mettaient des skins de noob, tu vois. En mode ouais, je suis nul. Et en fait, le mec c'était un génie en face, quoi. Ouais, non, mais c'est. Maintenant, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, c'est. T'as juste l'arène qui est bien, enfin qui est correct à jouer, parce que tout le reste, le mode normal, personne n'y joue. Mais du coup, c'est dommage, parce que c'était le seul truc où bah, justement les gens pouvaient jouer contre des mecs de leur niveau ou autre, quoi. Là, elle pardonne pas. Hein. Bon, les flashs, elles flashent. Je sais pas si c'est mes réglages, après j'ai quand même mis pas mal de trucs en l'eau. Mais je trouve que comparé aux anciens, j'ai pas du mal à voir où sont les gens. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des rayons du soleil, des particules, enfin des trucs qui sont. C'est tellement bien fait qu'au final. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est une question d'habitude après, mais c'est vrai que c'était pire la bêta. La bêta, tu voyais rien du tout. Hein. Faut vraiment le voir le mec, tu vois. Si le mec ne joue pas, tu peux.
de ça, tu prends une sorte de grenade, un truc comme ça, t'as besoin un petit peu, c'est fini. Oh, je sais pas si je vais manger là, mais c'est terrible. Y'a toujours la nuque? Oui! Je suis pas prêt de la mettre là pour l'instant. Enfin, j'ai jamais mise non plus. C'est pas si évident, hein. C'est 30 kills à mourir. Faut vraiment tomber sur un lobby. De noob quoi. Ouais, faut vraiment camper. Alors, je sais que moi à l'époque, ce que je faisais, je sais pas si ça existe toujours, c'était de danser avec tes potes et faire en sorte que tes potes vraiment te cover. Ouais, c'est ça, qui joue en soutien quoi. Ouais, voilà. Non, parce que clairement, bon, si tu tombes sur un lobby un vrai lobby SBMM, c'est-à-dire des gens avec ton niveau, tu peux pas mettre la nuque, hein, c'est... Faut juste être réaliste, quoi. Faut que t'aies de la chance de tomber sur un lobby de bot. Et puis si t'as un lobby de bot, t'en profites, tu dis vas-y, allez hop, c'est le moment de faire ma nuque. Non, y'a un mec avec un bouclier, il est horrible à tuer. Et en plus, y'avait un glitch à un moment donné avec les boucliers, où les gars devenaient invincibles. Je sais pas si ça a été patch, mais c'était un bonheur. Il est invincible. Ouais. En gros, tu peux pas le tuer, quoi. C'était fini, quoi. Donc le mec tapait sa nuque normal, quoi. Bon. Restez ici, c'est quoi? Il m'a l'air pas mal. Oh, fils de pute! Oh non! Il m'a vu! Il a l'alerte max ou quoi? Et il a des sacrés yeux l'enculé. Ah tu vois, regarde, là il m'est arrivé pareil. J'ai essayé d'aller sur un mec, il y a un rayon de soleil gigantesque. Ouais. Impossible, j'étais aveuglé tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il y a certaines maps comme ça, c'était sur l'ancien Call of, il y en avait une. Ah oh, mais c'était horrible, tu regardais ça, t'étais aveuglé. C'était énorme, là c'est encore moins mais... Ouais là, mais le jeu techniquement vient de sortir ça. Quoi donc... Laisser un peu de temps encore, je pense. Y'a des petits trucs que je sais pas. De quoi? Je t'avoue que moi je suis absolument fou de jeu. Et je sais qu'à l'époque il y avait de la compète, il y avait des tournois, des barreaux, tout ça et tout. Et je sais pas du tout ce qu'il faut en dire avec moi. Ah si! Je suis tiré à côté comme une merde, putain! Y'a vraiment des saloperies en face. Ouais. Attends, ah, j'ai 68, t'as 92. Enfin, ouais. Tu peux récupérer la petite plaque à Saratov pour avoir des points. Oh, les leurres, qu'est-ce que c'est horrible. Les leurres, ouais. Et ils ont rien fait. J'espère qu'ils vont faire un truc parce que. Y'a des games où vraiment je quitte. C'est pas possible. Ça te fait mal au crâne. Ouais, vraiment, c'est une pollution sonore. Les gars, ils ont rien à faire, c'est horrible. Après, je pense que snipe sans équipement. Non, prends le SPR si tu l'as. Même à la mire, sans viseur, rien. Tu vas voir, c'est bueno. SPR. Ouais. Tu vas dans les fusils tactiques SPR. Je vais essayer. Donc rien besoin. Ah c'est super, c'est bien, j'ai aimé. Ça one shot dans le corps ou c'est que dans la tête? Dans le haut du torse ouais. Ok. C'est quoi, je vais essayer. C'est pas mal du tout. Stratégique en plus, c'est pas mal, point stratégique. Je vais jouer au snipe. C'est toujours des types de 5 ou ça varie? Ah non, des 6 carrément. 6, hein, c'est 6 maintenant. Y a une année où ils étaient passés sur du 5, c'était vraiment ignoble. Ah ouais? Bah, il y a pas assez de monde. Bah, c'est pas ça. Moi, je préfère quand il y a du 6 en face. 5, il manque toujours un gars pour faire ton petit kill en plus. Je sais pas, c'est... Mais pourquoi ça... C'est pourquoi on veut pas casser? Je sais pas, elle voulait pas se casser. Ouf. Il y a Tacos al Pastor, là. Fait mal. Je sais pas du tout où je suis perdu dans la carte. Y'a un mec qui campe au fond. Je crois qu'il est mort le mec qui campait.
Bon, au moins, on a un gars qui joue bien l'objectif dans notre team, donc c'est pas mal. Ouais, le pompe qui m'a arraché. Ah ouais, il fait mal le pompe. Là, il y a un petit snipe qui va nous faire chier, plus un pompe. C'est la bonne combinaison. Ouais, y a un mec en fait. Non, je trouve ça pas mal de voir le petit reflet. Ah, de la lunette. Ouais. Ils ont pris une ligne à droite là, elle est terrible. Après le reflet il varie suivant les viseurs. Il y a des viseurs qui ont pas de reflet et en fait plus le zoom est fort, plus le reflet est fort en fait. Il y a toujours le travers qui va à travers les murs et tout. Ça arrive, c'est pas très fort là. Et il y en a. Qu'est-ce qu'il branle en face là? Oh putain, à gauche, ouais. Comment je suis perdu sur la carte? Ok, c'est bon. Bon, ça. Bon, après, c'est avec le temps quoi. Au début, t'es perdu, après, ça va, tu retrouves tes marques, et puis après, tu dis putain, elle m'a saoulé la map, ça fait 15 fois que je l'ai fait. Oh, fils de. Mais comment? Ah, il a le VLK? Non, il est dans mon dos, non! On me dit que c'est les top 2 des pires maps du jeu, celle-là. Hein. Après, ça dépend les goûts, hein. Y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas. Moi, je l'aime bien, celle-là. C'est embarrassant ce qui vient de se passer. Putain, c'est vraiment à l'instinct, hein, parce qu'il y a des moments, hein. Tu regardes à droite, ça vient à gauche, tu peux pas vraiment savoir. J'ai l'impression que les sons sont quand même pas évidents du tout, là. J'ai du mal à me repérer 100%. Ah, puis t'as toujours la malédiction de Call of qui existe depuis toujours, c'est... Tu regardes dans un point. Peu importe le temps que tu vas regarder, tu peux regarder une demi-heure, y'a personne qui arrive. C'est le moment où tu dézoomes, le gars arrive. Ah, ça c'est un peu chiant. C'est partout sur tous les jeux, hein. Ça c'est la malédiction de la vie, j'ai envie de te dire. Hein. Ah ouais, c'est... Ça arrive toujours quand tu t'y attends pas. C'est effroyable. Puis des fois, j'ai l'impression que les gars ils sortent de je sais pas d'où. C'est genre, tu peux être là dans un coin, t'avances, y'a un gars qui est derrière toi, tu mets d'où tu viens. Alors, je sais pas ce qui m'arrive. Il jouait avec un bouclier dans le dos, c'est vraiment un mec cancer ça. C'est horrible ça, quand je suis le sniper et que je suis dans son dos. C'est vraiment les pires gars pour moi ça. Il était pas fameux lui hein. Lui il était pas fameux hein. Je sais pas comment activer ce drone, ça commence à me... Non, dommage. Je commence à cliquer là, j'aime bien. Ah, il est prenant le jeu. Hein. En plus, on va dire que le son des armes, etc., c'est quand même plutôt bon, quoi. Oh, wow, il m'a baisé. Oh, la glissade. Je m'y attendais tellement pas. Putain, mais en plus, je joue à Fortnite. Tout le monde glisse dans le jeu. Ah, le seul truc contraignant avec la glissade, c'est que quand t'es en train de glisser, tu peux pas viser tout de suite. Donc t'as vraiment un laps de temps où t'es vulnérable. Enfin, en vrai de vrai, généralement quand je suis j'ai l'impression que t'as pas besoin de viser quoi, je suis... C'est quoi le truc dans les airs là? C'est... Un arrière. Non... Oh, on s'est entretué. Quoi? Ça peut arriver. C'est rare mais ça arrive. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé là. Ouais, c'est vrai que c'est moins enfantin que fantin. Non mais là... En vrai, le jeu est magnifique, mais l'aveuglement là, il est terrible. Hein. Oh. Ah, cette map là, et l'autre qu'on a faite là, au bord de l'eau là, c'est vrai que c'est pas l'idéal quoi. Ah bah, le fusil à pompe. J'ai pris une flash, écoute, hein, ça m'a aveuglé IRL, mais dans la vraie vie, vraiment, c'est terrible. Je sais ce que c'est, ouais. Eh, là, ils ont des déplacements.
Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Par contre, je trouve qu'il y a tellement d'équipements. Des grenades, des mines, des machins, c'est terrible, hein. Trop à mon goût, ouais. C'était mieux sur BO2, je trouve, où t'étais limité à 10 choses que tu pouvais utiliser. Mais bon, c'est vrai que là, sur le coup, puis même les accessoires, quand tu vois la liste entière de tout ce qu'il y a, c'est ça sature un peu, quoi. Ah, moi, je t'avoue que je connais pas, j'entends les trucs, je vois des trucs par terre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça va me faire. Ah. Ah, le bâtard. Où est-ce que tu vois le score? Ah, c'est à gauche? Ouais. D'ailleurs, j'étais sur le table, mais je voyais pas. Le snap est vraiment pas mal. Je vais essayer de péter un mec. Je vois que j'ai pas de couteau, c'est un coup de cross. Ça one shot, on est d'accord? Coup de cross, non. C'est deux. Ah ouais? Mais elle s'enchaîne assez vite. Et bon, y a plus le fameux coup de couteau à l'ancienne? Si, mais faut avoir un couteau équipé. Ah ouais, les fumigènes, hein. Y'en a, ils me voient à travers, je sais pas comment ils font. Hein. Alors y'a comme un, j'ai envie de dire, un bug dans le jeu. Y'a des fois, les gens, ils ont pas la même vue que toi. Ok. Genre, toi tu le vois pas, tu regardes la killcam, lui il te voit. Et tu te demandes comment c'est possible. Là, y a... Bon, après, il y a plein de trucs qui vont se régler avec le temps, mais... Non, je me suis fait bait par mon mate. Après, je pense que c'est des réflexes, c'est juste l'habitude du jeu. Oui, c'est ça. Une fois que tu sais les mécaniques... Oh non, je me suis fait cuter, la honte. La honte de ouf. Je pense que ça peut se regarder ma map aussi, hein. C'est tellement important. Comment c'est la honte? Oh, avec le couteau, tu vois? Oh non, comment j'ai raté ça? Ouais, y'a un mec qui a sorti un couteau, il m'a chelassé là, vraiment. Ah, ça arrive, hein. Y'a des gars, c'est des pros du couteau, ils jouent que à ça. Hein. Et quand y'a un mec qui est pro du couteau, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Oh putain, c'est trois fois le même, regarde! Oh, c'est terrible! Mec, elle est incroyable cette triple feed! Trois fois le même gars dedans, quoi! Je commence à vraiment bien aimer le snipe là. Fils de pute, putain, pourquoi je fais hitmarker? C'est pas vrai. Ah, une fois que tu l'as en main, la satisfaction du one shot est très très bonne. Après, tu mets un petit accessoire, tu mets un petit laser pour viser vite, ou un truc comme ça, puis après tu fais tes marques. Non, c'est vraiment vraiment bien. Les sensations, elles sont trop lourdes. Par contre, y a un truc que je fais dans le jeu et je pense qu'il est pas ouf, c'est que je me déplace trop vite, enfin. Je pense que. Enfin, je suis tout le temps en train de courir, glisser, tout ça et tout. C'est pas forcément le meilleur truc, j'ai l'impression. La glissade! Du coup, y a trop peu, je me fais surprendre et tout, tu vois. Ouais, la glissade, c'est pas l'idéal. Sur une situation, je dirais que le plongeon à la limite, mais. Ouah, t'as fait une vraie game là. 43 kills. Eh, hey, t'es sympa, ouais. T'as joué qu'au snipe? Majoritairement, ouais. Là, si mais tu fais une bonne game, tu vois, tu vas dire, ah bah, je suis désolé, le Rashkit était... Celle-là, non? Je sais plus. Ce que je te dis, c'est qu'il y a beaucoup de maps qui se ressemblent beaucoup. Oh ouais, bon, ok. Bah, après, il y a beaucoup de spots de camp, bah, comme d'hab, tu vas me dire. Mais... Grosse news là-dessus. Y a un mec qui... Le Covid dans mon vocal. Tuerie.
terrible. Quand tu prends une grenade et que ton écran il bouge, l'enfer. Ah, c'est pour ça qu'il faut un atout, il faut endurcir le combat. Oh là là, mais le campeur avec sa batteuse dans le bâtiment. Il y en a sont moches. Ah, ils sont vraiment pas beaux. Personne ici. Ah putain, je peux plus leur faire quoi, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Comment je suis passé? Oh bah là, je m'en sors. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh l'aide! J'ai activé un drone en plein dedans. Il en reste un non? Là non, je crois pas. En dessous, en dessous. Comment encore? Oh bah il m'a scope. Oh putain, il était ping. Wesh. Ah non, à gauche. Attends, on a un giga drone là. Comment on les voit autant? Ah, peut-être qu'il y a deux drones en même temps. Je crois que c'est 2-3 drones en même temps, c'est... Ah, le hitmarker, t'es pas sérieux! Bon, on est reparti sur une game... beaucoup de petites leurres partout. Je voulais quitter un mec à tout prix, ça a pas marché. Passe mieux que la game d'avant. Ouais, mais bah... elle est plus vivante. Ouais. Je sais pas si c'est le mot, mais... C'est le mot. C'est une leurre, ça? Okay, là, sur la minimap, c'est différent. Une leurre, c'est rond, et un personnage, c'est un losange. Si jamais. Si jamais tu vois un rond rouge sur la minimap, tu sais que c'est pas un gars. Mais pourquoi t'es... Mais pourquoi t'as décidé d'être un enculé aujourd'hui pour contre nous? Quoi? Il reste dans son camp, fond de map, puis il tire penché, il bouge pas. J'ai cru que c'était moi. Non mais on se connaît pas si bien. Yeah, ouais, attends, mais... On vient de se rencontrer, ouais, je vais pas non plus. C'est vrai que je suis accroupi dans une fenêtre avec un snipe, c'est vrai, mais... Ah, il s'est senti misé. Il dit comment... Ah, comment... comment tu sais? Frérot, comment tu sais? Yeah, attends, le mec, c'était vraiment le défendeur du beau jeu, genre je me suis accroupi 2 secondes pour viser une fenêtre. Oh, mais l'enculé quoi, non mais lui, non mais t'as pas de race, pourquoi tu niques la game? Ah, 2 doigts de rage kill quand je l'ai vu jouer à Nikov là. Ah, j'ai dit laisse tomber. Not on my watch. T'as dit ta mère toi. What? Bullshit. Mec, j'ai été flash et j'ai vu toute la le dessous de map et tout. Allez, mais... Non mais. Je déballe cette touche. J'ai un drone de merde qui me sert à rien du tout. Je fais que de l'activer de cette là. C'est pas drôle par contre. J'espère qu'il me fasse monter là-dessus. Ah, il est encore là. Nikov, il a des crampes. Allongé dans le camion, il y en a vraiment... Oh non! Oh non! Non, ils étaient trop alignés! Il y en a, c'est des fourbiquets quand même. Hein. Ils étaient trop alignés, je fais qu'une collate. Non, ouais, qu'elle aurait pu être une trip, ça aurait été beau. Il faut... Il y a la commande Samsung, vous avez le lien. Et là, vous pouvez voir l'écran que vous allez pouvoir gagner sur le site Cybertech. Donc merci Cybertech et Samsung, parce que c'est grâce à eux qu'on peut offrir ça aujourd'hui. Eh, le coup de croc, c'est violent quand même. Hein. Ah, il est satisfaisant quand tu le tabasses comme ça, là. Ah, j'en ai mis 4 dans son fond. Ah, mais vas-y, un mec, il est couché dans le fond, ce cochon, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas moi. Hein. Ah ouais. Oh, les marqueurs dégueulasses. C'est vrai que je joue pas du tout l'objectif, je ne joue absolument pas l'objectif, je suis juste là pour tuer des gens. Ouais, mais... C'est bien de me faire remarquer. On le fait tous. Oh non, la fenêtre.
Oh le bâtard. En même temps, tu vois certains qui jouent, tu dis. Ils font mal au cœur. Et pourquoi il se déplace en crabe, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a, ils veulent vraiment leur défi, hein. Ils sont ridicules. Ils décalent en crabe, y'a aucune cover, ils sont penchés. Oh ouais, non, mais attends, c'est pas un laser que je prends. Comment on vient un mec ici? Wow. Non, dommage, j'avais plus de balles. Bah, de toute façon, si ça peut te rassurer, je joue pas l'objectif non plus en face. Hein. Ça te fait sentir mieux. Je déstabilise maintenant. Ah, le hit marker. Cochon. Bah, de toute façon, tu sais, regarde, là, on a plus de 100 points d'avance, quoi. Quitte à ça, t'as pas besoin de jouer l'objectif. Ouais, on va faire durer la game, là, tu vois. Je me dis, il faut quand même que je finisse une game avec plus de kills que toi à un moment donné dans ma vie. Ouais, c'est possible en plus. Ça campe beaucoup en face. Ah, il vient là-bas. C'est un mode de jeu, j'ai l'impression. Bah, c'est fait pour quoi. Tu ouais, tiens à prendre, quoi. C'est Call of après. Hein. Camper sur Call of, c'est une histoire d'amour. Hein. Oh le bâtard! Qui campe et je sais pas comment aller les chercher. Non, dommage! Et 29. Ah, t'as pris ton envol là. Oh! Ah, tu m'as motivé en fait. Ah, mais tant mieux en vrai. Moi, tu vois, je t'aide à dépasser tes limites, quoi. Ouais, exactement. Pushy to the limit, la petite musique de Scarface dans les oreilles, allez hop, on est là. Tu veux avec de la musique, toi? Non. Je l'ai vu se faire niquer. J'en ai niqué deux. Ah mais la crosse, c'est incroyable, hein. Oh non, ça c'est un caisse par contre, le village marqueur là. No way! Je loupe la tête, ça aurait pu être un petit enchaînement tête beau. Et bah voilà! Non! Putain, sur la fin tu m'as mis la misère là, je sais pas, t'as enchaîné, j'ai cligné les yeux, t'avais pris 5 kills, je sais pas. Ah j'avais. Bah, il y a un moment j'ai pris 5 morts et puis je me suis vengé. Putain, le kill de fin. C'est dommage, je sais pas si tu joues à Overwatch. Mais dans Overwatch, il y a un truc qui est trop bien, c'est le. En gros, t'as le move de la partie carrément quand c'est la fin, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça sur Call of Duty. Alors. C'est surtout le dernier mec. Non. Il y a des fois, tu t'es pas rendu compte, c'était pas évident parce que c'était vraiment pourri. Mais la game d'avant, il y a eu le meilleur kill de la game. C'est juste que c'est très très mal fait. Et des fois, la meilleure action de la partie, c'est genre un kill. Puis écoute, voilà. C'était trop cool. C'était merci, cool. Merci pour les conseils. Bah merci à toi, on a passé un bon petit moment, on s'est bien amusé, on a fait gagner un écran. Il y a deux mecs qui sont heureux actuellement là. Donc... En plus, je crois qu'on a fait quand même pas mal de victoires. Vas-y, bisous, à plus. Bisous, ciao. Ciao. Et du coup, bah encore une fois, merci à Cybertech, merci Samsung.